Bonjour, de nouveau Annick du relais communautaire de Laval, toujours dans notre opération de lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation du garde-manger. Ça peut paraître un peu différent de la lutte contre le gaspillage alimentaire. En fait, il y a un lien entre les deux parce que optimiser l'organisation d'un garde-manger, c'est réduire au maximum, bien sûr, le gaspillage alimentaire. On ne perd pas les produits périmés, mais c'est également réduire le temps et l'énergie qu'on consacre à la cuisine. Ça même, ça a un impact sur le gaspillage alimentaire parce qu'on est plus porté à aller chercher nos produits en réserve quand ils sont faciles d'accès, quand ça va être rapide de faire souper. Et sinon, on est plus porté à laisser de côté puis à aller se commander une petite pizza, des choses comme ça. Donc, le garde-manger. Alors, on a une photo qui nous montre le garde-manger, ben, juste comme on ne veut pas l'avoir. Deux belles petites tablettes avec voilà, un beau méli-mélo, ce qui fait que là, on est sûr de perdre la moitié de nos produits et d'avoir pas le goût d'aller fouiller dedans le soir quand on est fatigué et pressé pour faire un beau petit souper parfumé. Donc, quand on a un garde-manger de cette sorte, avant toute chose, on fait l'inventaire. On enlève tout ça, on trie les paquets entamés, on jette les denrées périmées. Une fois que les tablettes sont toutes vides, on s'attaque au nettoyage, on époussette, on enlève les miettes. On a toujours des petites graines, des miettes, etc., qui font le garde-manger parfait, des petits rongeurs et puis des petits insectes. Donc, on enlève tout ça, on désinfecte de l'eau, du savon, un peu de vinaigre éventuellement. Et puis, comme sur la photo suivante, qui n'est pas celle-ci, mais qui est celle d'avant. Ah, je crois qu'on a un petit problème de photo. Alors, on attend une photo sur laquelle on voit un beau petit garde-manger de tablettes blanches avec des boîtes en bon ordre. Et ce que je voulais dire avec cette photo, c'est que c'est bien intéressant d'avoir un garde-manger sous forme de tablette ouverte. Hein, parce que bien sûr, on peut dire, ah, bah, tiens, un placard avec des tiroirs ou un placard derrière des portes. Mais le garde-manger à étagère ouverte permet d'avoir un regard global sur ce qui vous reste et sur ce qui vous manque. Donc, à partir du moment où vous avez ce garde-manger, vous allez veiller à classer les aliments selon le rangement qui vous convient. Hein, par exemple, vous pouvez laisser tous les aliments à base de grains à une place. Ceux de légumineuses à une autre, ceux de, je ne sais pas, les sauces à une autre, les conserves à une autre, etc. D'autres préféreront avoir, par exemple, tout leur matériel de pâtisserie à la même place. D'autres diront, bah, tiens, moi, je mets mon matériel de petit déjeuner, mes collations, etc. Ce qui est important, c'est que vous organisiez le garde-manger selon la façon que vous avez de travailler vous-même, hein, pour être confortable, pour que ce soit rapide, etc. D'accord? Ensuite, pour ne pas avoir à le ranger régulièrement, la photo n'est pas la bonne. Je reviens encore sur la photo d'avant. Voilà, la photo, voilà, celle-ci, qui montre donc un garde-manger vraiment bien rangé et qui indique vraiment bien aménagé. Et là, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de réaménager tous les mois. Donc, ce que je propose, parce que c'est toujours à la fois sympathique, à la fois instructif d'organiser le rangement d'épicerie avec les enfants, on connaît le petit pictogramme et comme ça, quand ils vous aident à vider les sacs d'épicerie, ils mettent tout à la bonne place. Et puis, chacun, lorsqu'il prend quelque chose, le met à la bonne place. De cette manière, ben, vous n'avez pas à chercher à votre tour ou à re-ranger à votre tour. D'accord? Pour se faciliter la vie, tout ce qui est utilisé souvent, ben vous le mettez à portée de main. Ce que vous utilisez moins, par exemple, je ne sais pas, le matériel pour les biscuits de Noël, etc., vous le mettez en hauteur. Et puis, ce qui est pesant, là, par exemple, le vrac, hein, les gros sacs de pâte de farine, vous le mettez en bas. D'accord? En bas, on pourra mettre aussi les fruits et légumes, on va en parler. Quand je dis en haut, on met, par exemple, le matériel que vous utilisez ponctuellement, comme j'avais cité, par exemple, le matériel de Noël, les petites décorations de biscuits. Là, ce qui peut être vraiment sympathique, parce que si vous mettez, je ne sais pas, matériel de Noël, Saint-Valentin, Pâques, Halloween, etc., vous allez vous retrouver avec une tablette bien chargée.
Et puis, vous risquez de plus savoir, hein, ce qui fait que vous pouvez mettre un petit pictogramme, un matériel de thématique, je ne sais pas, etc. Évidemment, quand vous allez utiliser les étagères du haut, à moins de faire une taille qui permet d'aller jusqu'au plafond, vous allez mettre un petit marchepied. Soit vous l'achetez, soit moi, je vais beaucoup vous parler de choses de récupération aujourd'hui. Ben, vous prenez une caisse de lait, un hein, que vous retournez, et puis ça va vous servir de marchepied. Puis la caisse de lait, quand vous l'utilisez pas, vous la glissez en bas. D'accord? Chose bien importante, afin d'éviter le gaspillage alimentaire, lorsque vous allez ranger votre nourriture sur les tablettes, vous allez ranger les plus récents à l'arrière. Hein. Une fois que vous avez fait l'inventaire, vous savez que c'est les plus anciens sont devant. Chaque fois que vous achetez, vous mettez à l'arrière. Hein, vous faites le geste. Je tire en avant les plus anciens, je mets derrière les plus récents. D'accord? Là, comme on l'a vu précédemment, sur la pop, le pictogramme suivant, on voit ma boîte à tout ce qui traîne. C'est ma boîte à tout ce qui traîne ou à tout ce qui reste. Et là, en fait, j'ai simplement utilisé ces sacs à chaussures achetés, je ne sais pas, peut-être dans un magasin de 1 dollar, etc. L'intérêt, vous savez, quand on a deux petits biscuits emballés qui restent, ou bien, je ne sais pas, une petite barre de chocolat, enfin, les petites affaires qui encombrent. Des fois, on a une grande boîte, puis il y a deux petites barres dedans. La boîte à tout ce qui, ça peut être une boîte hein, aussi. C'est bien sympathique parce qu'on a envie de la vider rapidement. Hein. Donc, chez moi, par exemple, j'ouvre la porte du garde-manger et puis je suis bien contente, au lieu d'ouvrir une nouvelle boîte de biscuits, d'aller piocher là-dedans. Et puis, comme ça, je sais que ça ne va pas traîner au fond de mes placards, qu'on ne va pas les oublier et qu'on va les passer avant les nouvelles boîtes de biscuits. D'accord? Il y a une chose dont je veux vous parler. Comme on le voyait sur la photo précédente, hein, celle où on voyait les belles petites tablettes blanches avec les petites boîtes, c'est bien sympathique d'utiliser des contenants transparents parce qu'on dit que tout ce qui est visible simplifie le quotidien. Hein, ça, c'est bien évident. Donc, vous pouvez prendre des boîtes, des bocaux maçons, etc. Là encore, je vous en reparle, la récup, on en parlera, on risque de me répéter tout le long de la vidéo. Les pots maçons, oui, ça peut être. Moi, j'utilise des pots de café, des pots de moutarde, tout ce qui est mes anciens contenants. Je les garde soigneusement parce que si, par exemple, j'ai acheté, je ne sais pas, un grand sac de légumineuses, je sais que je dois les garder de façon hermétique. Je vais les mettre dans un pot comme ça. Je vais voir ce qu'il y a dedans et puis ils vont être conservés comme on le veut. D'accord? Si j'utilise aussi des petits paniers. Pour mettre, je ne sais pas, les petits sachets d'épices, les petits sachets de sauce, etc. Là, l'intérêt des paniers, je les mets comme ça. Hein? Comme ça, eh ben, écoutez, je n'ai même pas à chercher ce qu'il y a au fond et puis on voit bien. Mais évidemment, je le fais avec quelque chose. D'accord? Et puis, quand on voit les belles petites cuisines, comment dire, des grands magasins d'aménagement, on voit des tablettes avec des beaux petits tiroirs qui se glissent sur le dessus. Ben, là encore, on n'a peut-être pas envie de mettre le budget et ce n'est pas nécessaire. Hein, comme on le voit sur la photo, on peut simplement mettre des petits paniers. Hein, puis par exemple, vous mettez vos petites bouteilles de tout ce qui est les sauces. Hein, et puis, vous le mettez sur la tablette. Puis quand vous avez la salade à faire ou que vous avez besoin de vos sauces pour la viande, par exemple, simplement vous mettez ça sur votre comptoir. Et vous le replacez dans votre garde-manger facilement après. D'accord? Donc, tout ce qui est petit contenant pour regrouper les objets de même type, ça facilite la vie. Alors, on a vu tout à l'heure comment moi j'utilisais la porte de garde-manger pour les tout ce qui traîne. On va voir sur la photo suivante que, effectivement, ça, il faut que j'explique. C'est que le garde-manger, l'idée, c'est d'avoir un garde-manger. D'accord? Souvent dans les appartements un peu anciens, hein, c'est un peu le garde-manger comme on l'a vu sur la deuxième photo. Ah ouais, les petites tablettes blanches bien propres avec les petites boîtes de plastique. Hein, souvent, ça se présente comme ça, une sorte de pièce cubique avec des étagères sur les trois côtés. D'accord? Et puis, on a une porte. Alors, l'idée, c'est donc, vous mettez toute la nourriture dans un seul garde-manger, idéalement. Hein, d'accord? Souvent, c'est quand même assez gros.
Et bien sûr, vous voulez optimiser l'espace. Vous allez utiliser la porte. Hein, moi, j'ai mis par exemple mon sac à tout ski, mais vous pouvez par exemple mettre une feuille de papier liège et puis vous pouvez accrocher avec des petits clous, comme on le voit aussi, les cuillères à mesurer. Hein, puis ici, la locataire, sur le dessus, elle a mis une petite affiche avec les chartes d'équivalence poids-volume. On voit aussi sur la photo de droite une autre utilisation de la porte, parce qu'on sait que cuisine, ça rime aussi avec l'utilisation des différents papiers de cuisson, aluminium, ciré, etc., etc. Et puis, pour ne pas avoir à le chercher et ne pas avoir à investir, elle a simplement récupéré un range classeur qu'elle a acheté dans un magasin à $1, et elle l'a vissé sur la porte et elle range ses rouleaux dedans. Hein, économique et pratique, d'accord? Donc, on a dit on utilise les portes. On peut aussi utiliser, comme on le voit sur les photos suivantes, le dessous des tablettes. Hein, parce que le dessus, évidemment, il y a nos boîtes, il y a nos pots. Voilà, sur le dessous des tablettes. Alors, dessous des tablettes, sur la photo la photo du milieu, je pense que c'est ça, hein, on voit les petits bacs de dessous de tablettes que vous pouvez acquérir à coût moyen dans des magasins qui vendent tous les petits accessoires d'aménagement de la maison. Mais là encore, moi, je vous dis que ce n'est pas la peine d'investir nécessairement là-dedans. Et vous pouvez simplement prendre des petites cagettes ou même des paniers un petit peu solides. Et puis, ce que vous allez faire, vous allez simplement… j'aimerais bien vous figurer une tablette. Voilà. Vous allez simplement le visser sous votre tablette. Hein, on le voit sur la photo de droite. Vous le vissez sous votre tablette et là, vous avez vos aliments sur la tablette et un rangement sous la tablette. D'autant plus que j'ai constaté que les gardes-mangers des appartements qu'on loue souvent ont des tablettes qui sont vraiment espacées les unes des autres. Ça rend possible d'utiliser le dessus et le dessous. D'accord? Là, sur la photo de gauche, on voit une façon bien sympa aussi d'utiliser le dessous de la tablette. Et c'est tellement facile à faire à côté. Oui, c'est ça. Je veux dire, ça nécessite simplement que vous preniez, par exemple, un pot à vitre et puis que vous le percez, vous allez visser le pot sur l'étagère et puis le couvercle sur l'étagère et vous allez visser le pot. Alors, on le voit très bien sur la photo. En fait, vous pouvez vous faire toute une petite série de pots sous votre tablette. D'accord? Alors, j'ai dit tout à l'heure que la partie la plus basse du garde-manger, vous pouvez l'utiliser pour entreposer les fruits et légumes, hein, parce que ça peut être pesant, d'accord? Les fruits et légumes, ceux qui restent à température ambiante. On en a parlé dans les différentes vidéos concernant différentes sortes de fruits et légumes. Alors, là encore, vous n'êtes pas obligé d'investir dans les cagettes à légumes. Hein, on voit sur une photo qui est pas tout de suite. Hein, je crois qu'on va la voir. On va l'attendre, la photo, dans 2-3 minutes. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on n'est pas obligé d'investir dans des cagettes à légumes qui nécessite un certain budget, mais on peut prendre des cagettes maison. Alors là, si vous allez sur la toile, vous allez vous régaler. Parce qu'à la fois, vous pouvez simplement prendre les cagettes maison dans lesquelles vous allez ranger vos fruits et légumes, puis vous les glissez sous la tablette du bas du garde-manger. Mais vous pouvez également, avec les cagettes maison, c'est-à-dire avec les cagettes de récup, hein, les cagettes de fruits et légumes que vous pouvez récupérer, je ne sais pas, au marché ou... même peut-être les demander à l'épicier, etc., dans les magasins de rénovation aussi. Je veux dire, des fois, ils s'en débarrassent. En fait, vous pouvez, on le verra sur une photo un peu plus loin, carrément faire des mini-meubles avec. Donc, je vous laisse explorer la toile sous le titre « Construire avec des cagettes de récup ». Vous allez avoir du plaisir et des petits meubles à prix extrêmement modique. Donc, les fruits et légumes, on dit qu'on les met en bas.
ce qu'on garde à l'extérieur du réfrigérateur. Donc, l'idée, c'est de répondre aux conditions optimales de conservation de ces produits. Hein. Une fraîcheur, l'abri de la lumière, de l'aération, etc. Donc, fruits et légumes pour lesquels le garde-manger est optimal. On en parle, comme je l'ai dit, dans les fiches spécifiques à chaque fruit et légume. En plus, quand vous le mettez dans le bac du garde-manger, ben, c'est pratique. Vous n'avez pas à sortir d'une tablette quelque chose de pesant, hein, parce qu'il faut être confortable, ça donne plus envie de cuisiner. D'accord? Donc, lorsque vous achetez les fruits et légumes, donc, bien sûr, vous souhaitez préserver leur saveur, leur salubrité, etc. Alors, deux petites règles, vite, vite, parce que ce n'est pas le sujet. Vous allez éviter d'entreposer ceux qui ont une odeur forte hein, avec les autres. Hein, les oignons, on va peut-être les mettre un petit peu éloignés. Les poireaux aussi, un petit peu éloignés des autres choses, hein, parce que ces légumes peuvent altérer le goût des autres. D'accord? Un autre élément à ne pas négliger, on en parle là encore dans les vidéos, c'est que certains fruits et légumes dégagent ce fameux gaz hein, qu'on appelle l'éthylène qui accélère leur maturation. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien intéressant de connaître les fruits et légumes qui dégagent de l'éthylène et ceux qui n'en dégagent pas. Je crois qu'on a un petit tableau sur, voilà, hein, sur l'écran. Ça, c'est juste une idée. Hein. On en parlait là encore dans les autres vidéos. Très facilement sur la toile, vous pouvez avoir la liste des fruits et légumes qui dégagent de l'éthylène. Moi, ce que je suggère, elle est quand même assez longue, hein, avant de la connaître vraiment bien, collez-vous ça dans votre garde-manger. Pourquoi? Parce que fruits et légumes qui dégagent de l'éthylène, si vous les mettez dans le même cajot que ceux qui n'en dégagent pas, ça veut dire qu'ils vont faire mûrir exagérément ceux qui n'en dégagent pas. D'accord? Ceci dit, vous pouvez utiliser de face à votre avantage le fait que les fruits, certains fruits et légumes dégagent de l'éthylène. Ben, vous achetez par exemple des pommes qui sont vraiment trop vertes, mais vous en vouliez parce qu'elles étaient pas chères. Mais vous avez envie de les croquer rapidement, vous allez mettre avec des fruits et légumes qui dégagent de l'éthylène, quelques-unes, puis comme ça elles vont mûrir rapidement. D'accord? Vous pouvez donc jouer avec ça, mais l'idée c'est de bien séparer. Dans votre garde-manger, fruits et légumes qui dégagent l'éthylène de fruits et légumes qui n'en dégagent pas. On ne met pas les deux cagettes côte à côte, une un peu à gauche, une un peu à droite, d'accord? Deux petites choses à savoir pour l'éthylène. Moi, par exemple, je trouvais bien sympathique d'utiliser les sacs de papier brun. Je me disais, waouh, comme ça, là, mes poireaux, par exemple, ne vont pas sécher. Hein? Je vais les mettre dedans, puis ça tient debout, puis c'est assez sympa à avoir dans le bas du garde-manger. Ben, ce que je savais pas, parce que mes poireaux sont devenus tout mous, c'est que mes sacs de papier brun dégagent de l'éthylène. Et je me suis dit, ah ben tiens, c'est peut-être pour ça que j'avais entendu dire autour de moi que quand je voulais faire mûrir des pommes, je les mettais dans des sacs de papier brun. Alors, je vais utiliser ça pour les pommes que je veux un peu moins croquantes rapidement, mais je vais me rappeler que j'utilise pas ça pour entreposer des fruits et légumes que je veux garder plus longtemps. Une autre chose concernant l'éthylène qui est bien sympa de savoir, parce que quand vous allez voir la liste des fruits qui dégagent de l'éthylène, vous n'allez pas trouver le citron. Ben non. Sauf que le citron dégage de l'éthylène. Pourquoi? Parce que les industriels qui veulent que le citron ait une belle couleur jaune utilisent de l'éthylène pour déverdir la polluante. C'est comme ça, hein? Ce qui fait que c'est pour ça que des fois on dit que si on met des agrumes avec d'autres choses, on se rend compte que les autres fruits, ils viennent mous, ils sont moins beaux. Hein? C'est ça, le citron donc, dégage de l'éthylène. Donc on va le ranger avec les produits qui en dégagent naturellement. Là, je crois qu'on va arriver à la photo où on voit ces fameuses petites cagettes dont je parlais, hein, les cagettes de fruits et légumes, la photo d'après, voilà. Hein, ça, c'est ce dont je vous parlais. Hein, c'est pas mal, hein, c'est super joli à voir. Eh bien, imaginez-vous que c'est fait simplement avec des petites cagettes à fruits et légumes. Alors, je vous invite à explorer les arrière-cours des commerçants ou à négocier avec eux. Vous allez vous faire plaisir et aménager notamment votre garde-manger à bas coût. Sur la photo suivante, on voit une autre manière d'entreposer fruits et légumes, c'est utiliser les paniers.
Ah, les petits paniers suspendus. Je ne sais pas si on a la photo à portée de main. Oui, c'est ça. Hein, les petits paniers suspendus, là encore, vous pouvez les mettre en bas, les mettre en dessous de la tablette du bas de votre garde-manger. Puis, soit vous mettez des petites passoires hein, que vous achetez dans un magasin à bas coût, puis vous les accrochez avec des cordes les unes aux autres. Ça vous fait des petits paniers pour suspendre vos fruits et légumes de manière séparée, suffisamment séparée pour que le fameux éthylène soit pas. Comment, pour qu'il ne soit pas trop en contact pour, à cause de ce fameux éthylène. D'accord? Donc, pour le garde-manger, on a un peu fait le tour. On résume, on essaie de tout avoir dans le même espace, on maximise l'espace et puis on fait tourner les choses parce qu'on n'a pas envie tous les 3 mois d'aller explorer notre garde-manger. Hein, donc, chaque fois qu'on rentre de l'épicerie, on tire vers nous ce qui est plus ancien et puis on met à l'arrière ce qui est plus récent. Et puis, ah oui, il y a une chose qui peut être sympa aussi des fois, qui peut nous aider, c'est les fins de sac. Comment on peut gérer les fins de sac? Hein, des fois, on achète des belles boîtes de céréales et puis bon, on les a entamées. Puis, au moment de faire l'épicerie, parce qu'il faut comprendre que faire tourner les choses dans le garde-manger et avoir une vue globale des tablettes, ça vous permet aussi de faire votre épicerie rapidement. Eh bien oui, parce que vous voyez rapidement ce qui peut manquer. Sauf si dans votre famille, par exemple, les enfants ont mangé beaucoup de céréales et qu'ils laissent la boîte comme ça. Parce que ben là, vous ne pouvez pas savoir si c'est plein ou vide. Ce qui fait que dans ce cas-là, tout ce qui est pas visible, va vous enlever le sac. Hein, et puis, quand c'est à moitié, vous allez le fermer avec une petite attache, ça vous l'enlevez, puis ça vous le laissez sur le garde-manger, dans le garde-manger. Ce n'est pas optimal hein, parce que dans le sac, ce n'est pas suffisamment imperméable à l'air, à l'humidité. Mais bon, étant donné la vitesse à laquelle les enfants mangent les céréales, je pense que l'idée à retenir, c'est que pour préparer l'épicerie rapidement, on évite de garder des boîtes dont on ne connaît pas la totalité du contenu. D'accord? Donc, après avoir parlé du garde-manger, j'aimerais vous parler rapidement de comment on va conserver les différents types de produits du garde-manger. On va commencer par exemple par les grains. Hein? Les grains, donc souvent on les achète en sac. Et ce qui est vraiment intéressant, parce qu'il faut aussi qu'on garde bien en vue le côté économique de la gestion de produits alimentaires. Hein? On ne veut pas faire de gaspillage alimentaire, ça a aussi un côté économique. Hein? On ne veut pas jeter les produits qu'on achète parce qu'on a un souci économique hein, pour notre famille. Et ça, un autre aspect des critères économiques de notre épicerie, c'est que souvent, ben, on va bien aimer acheter les choses en gros. Moi, je vois chaque fois dans l'épicerie, vous avez les produits vendus en grand volume beaucoup moins cher que les produits vendus en petit volume. Alors, je me dis, ben, tiens, oui, je ne vois pas pourquoi je paierais 2 fois le prix du riz parce que j'achète un beau petit sac. Non, non, j'ai acheté un grand sac, puis je vais le conditionner comme il le faut. D'accord? Alors, ça veut dire que quand j'achète des grains entiers, je ne vais pas entamer le sac et puis simplement fermer le sac avec, je ne sais pas, une petite pince à linge ou un ruban adhésif. Non, 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 non. Je vais vider le reste du sac dans des pots hermétiques. Et comme je vous l'ai dit, moi, je fais la grosse récup de pots de toutes sortes, des grands, des moyens, des petits. Tout a de la place dans le garde-manger. D'accord? Donc, les grains, je les conserve dans une boîte hermétique bien fermée, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Hein, ça, bien fermé, hein, à l'abri de l'humidité, oui. Hein. À l'abri de la chaleur, tiens, je voudrais rajouter quelque chose. C'est ça, le garde-manger, souvent, hein, dans les appartements qu'on loue, c'est des espaces qui existent déjà. Mais par exemple, dans d'autres types de logements, la personne peut décider de prendre, je ne sais pas, une armoire, un garde-robe qu'elle veut dédier au garde-manger. Hein, on voit ça, hein, dans les magazines de déco. C'est vraiment joli dans une cuisine. Donc, c'est ça.
Ce qu'il y a, c'est que si vous choisissez vous-même la place de votre garde-manger, il faut que vous soyez attentif à ne pas le mettre à côté de la cuisinière, par exemple. Hein, parce qu'il faut également que vos produits d'épicerie restent à l'abri de la chaleur. Hein. Autre chose, l'été, hein, quand vous avez la porte-fenêtre qui est en face de votre garde-manger, puis vous avez le soleil en plein, une demi-journée en plein dans le garde-manger, et bien, chaque fois que les enfants oublient de fermer la porte du garde-manger, essayez de fermer la porte du garde-manger. Le soleil qui tape à travers les boîtes de plastique une demi-journée entière, ça va drôlement abîmer votre nourriture. D'accord? Alors, donc, on va revenir à nos petits grains. Boîte hermétique, ça se garde 1 à 2 ans très facilement. Bien fermé, on a nombreuses sont les personnes qui ont expérimenté les mini-insectes dedans. Hein, c'est vraiment pas drôle. Céréales, vous allez quand même être attentif à séparer les céréales qui sont blanches, riz blanc, blé sans la coquille, quinoa sans la coquille. Bon, hein, quinoa, on sait ce que c'est les mini-grains, d'accord? Et vous allez séparer ça des produits entiers qui ont leur son, hein, leur écorce. Le mot m'échappe. Ce qu'on appelle les grains entiers ou les grains complets. Pourquoi? Parce que les grains entiers et les grains complets, qui sont repérables entre autres parce qu'ils sont plus foncés que les grains dont on a enlevé le son, l'enveloppe extérieure. Donc, ils ont leur enveloppe et l'enveloppe a du gras. Et on va en reparler. Tout ce qui a du gras, ça rancit. Hein? C'est-à-dire qu'avec la chaleur, ça va développer une caractéristique d'odeur et de goût vraiment pas sympathique. Ce qu'on ne sait pas très souvent, c'est qu'entre autres le riz complet a cette fameuse petite coquille avec de l'huile dessus, ça se gardera moins longtemps que le riz blanc. Je dirais que d'une façon générale, tout ce qui est produit raffiné va se garder plus longtemps que les produits complets. Mais on voit hein, que la mode alimentaire, pour toutes sortes de raisons dont on ne parlera pas ici, encourage beaucoup la consommation de produits entiers. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez un peu plus attentif à leur conservation. D'accord? Donc, les céréales, on en a parlé, hein, à l'abri de la chaleur, à l'abri de l'humidité et de l'air. Bah, c'est ça. D'accord? Je voudrais aussi vous parler. Ah oui, je voulais juste insister un tout petit peu sur le rancis, hein, parce que le rancis, on peut penser, bon, c'est rancis, là. Et il y a deux choses à savoir. Des fois, vous avez un petit doute. Du coup, ça sent bizarre, là. Une façon très facile de savoir si votre aliment est rancis ou pas, étant donné que c'est à cause de l'huile qui est autour, vous allez le mettre sur une poêle, une petite poignée sur une poêle, vous faites chauffer. Si c'est rancis, l'odeur de rancis va vraiment monter. Et là, vous dites, ouais, mon nez m'a pas trompé, c'est rancis, d'accord? Rancis, c'est pas dommageable pour la santé. Mais par contre, vous pouvez être surpris par l'impact que ça aura sur le goût de votre plat. D'accord? Ça peut avoir un goût fort. OK? Donc, on a parlé des céréales, on va parler des pâtes. Les pâtes, ben, la même chose, hein, vu que c'est fait de céréales. Tout ce qui est blé entier, enfin, tout ce qui est céréales complètes, parce que maintenant on trouve des pâtes de toutes sortes de choses. Tout ce qui est céréales complètes, il y a le son, donc il y a de l'huile dedans. On est attentif. Hein? On les consomme avant les produits blancs, d'accord. Les pâtes, ça se conserve longtemps, hein? 3 ans, etc. Je ne crois pas vous avoir parlé des grains. Les grains, vous pouvez les garder un bon 2 ans. On va parler après de comment on évalue ça, parce qu'on ne va pas dire « oh, ça a 1 an, oh, ça a 2 ans, ça va être ben fatigant ». Pourquoi est-ce que les grains, on dit qu'on les garde par exemple 2 ans, puis ça, c'était en gras, on les garde plus longtemps? Ça, là, c'est plus petit, il y a plus de contact avec l'air, donc il y a plus de possibilités d'altérer le produit. D'accord? Ça, c'est plus grand, hein? Moins de contact, donc moins de possibilités. Là, c'est un petit peu une question, voilà. Donc, les grains, les pâtes, même chose. Plus c'est
Donc, plus c'est entier, moins on garde longtemps, d'accord? Ah oui, il y a les fameuses pâtes aux œufs, hein? On en trouve des sèches. Là, du fait qu'il y a des œufs dedans, même si c'est sec, vous ne les gardez pas plus de 6 mois. D'accord? D'une façon générale, si le produit a une odeur, un aspect bizarre, ben, vous n'allez pas le garder. D'accord? J'ai appris quelque chose d'étonnant, qui m'a étonnée en tout cas en préparant cet atelier, c'est que les pâtes de riz, hein, qu'on aime bien utiliser pour de la cuisine asiatique, entre autres, ça ne se garde pas longtemps, hein, ça se garde pas plus d'un an. D'accord? Selon moi, c'est parce que c'est très fin, hein, donc il doit y avoir plus de contact avec l'air. La raison est à vérifier, mais c'est à savoir qu'on les garde pas plus longtemps. D'accord? Alors qu'on les garde pas plus d'un an. Alors, maintenant, on va parler des farines. D'accord? Les farines, même chose. C'est-à-dire, quand c'est avec le son, on le garde moins longtemps que quand c'est bien blanc. La farine, c'est plus fragile. C'est plus petit que les grains et c'est encore plus petit que les pâtes. Hein? Donc, comme c'est petit, beaucoup de contact avec l'air, plus fragile que les grains qui sont moyennement petits, qui sont eux-mêmes plus fragiles que les pâtes. Hein? Donc, à cause du contact avec l'air. Donc, ça se garde quand même assez longtemps. Je dirais, vous pouvez les garder 3 à 6 mois. D'accord? Les farines, vous n'allez pas les garder là-dedans. Hein, non, hein? C'est encore plus important que les grains de les mettre à l'abri de l'humidité, de l'air. Vous allez ouvrir votre pot, le mettre dans un pot qui ferme bien, ou alors simplement vous prenez une boîte plastique et puis vous allez mettre le pot dedans. Boîte plastique, je dirais, c'est moins le top hein, parce que ça peut garder de l'humidité. Moi, j'aime bien pot en verre. D'accord? Donc, après avoir parlé des céréales, on va parler des légumineuses. Les légumineuses, ça se garde une éternité. Vous pouvez les garder des années, mais. D'accord? Il y a quand même dans les... Je veux dire. Vous ne les gardez pas dans les sacs constants. Pourquoi? Parce que les sacs, même s'ils sont l'air épais, hein, souvent ils sont plus épais pour les produits un peu plus lourds hein, que pour les produits plus légers, bien sûr. Néanmoins, avec le temps, le plastique s'use, ça sèche et vous risquez d'avoir la mauvaise surprise plusieurs mois ou un an après avoir entreposé votre beau sac de pois chiches. Vous le soulevez et là, tous les pois chiches partent au sol. D'accord? Parce que le plastique s'altère avec le temps. Il n'est plus du tout assez efficace. Ce qui fait que vous allez conserver vous allez séparer votre sac dans des bocaux hermétiques. D'accord? Les légumineuses, je voulais quand même que je voulais vous dire encore pourquoi. J'aime bien la vitre à la place du plastique pour les produits. C'est que le plastique, j'aurais dû apporter une boîte, il y a de l'humidité qui peut se mettre dedans. Hein, l'humidité, c'est vraiment un des ennemis des céréales. On en a parlé. D'accord? Donc, la vitre, autant que vous voulez. D'accord? Là, contenant comment dire, sac plastique. Vous les gardez pas longtemps, mais vous avez sans doute remarqué que quand vous achetez des légumineuses en grande quantité, ils viennent souvent en sac de toile. Ça fait respirer la légumineuse, ça le garde à l'abri de la lumière ça permet de le conserver longtemps. D'accord? Par contre, souvent, il y a quand même un sac plastique dedans, ce qui fait que vous faites bien attention d'entreposer ça loin de l'humidité. D'accord? Ah, il y a autre chose que je peux vous dire par expérience personnelle concernant les légumineuses. Parce que toujours dans mon grand objectif de cuisiner de façon économique,
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup acheter ce qui est céréales, graines en grande quantité. C'est cher d'acheter en petit sac à l'épicerie, mais il met une mauvaise blague que je vais essayer de vous éviter. Les pois chiches, hein? Les légumineuses, plus elles sont grosses, plus on sait que c'est difficile à cuire. Hein? Donc, on dit, bon, on coupe le temps de cuisson en deux en les faisant tremper. Et en plus, bon, pour la santé, ça peut être meilleur. Bon, on n'en parle pas aujourd'hui. J'ai expérimenté que mes pois chiches, qui avaient plusieurs mois de garde-manger derrière eux, n'ont pas bénéficié du trempage habituel d'une nuit. Mais non, quand je mettais l'ongle dedans, ça ne marchait pas du tout. Donc, je les ai fait tremper 24 heures. Et puis, ben, c'était encore trop dur. Donc, je les ai encore fait tremper 24 heures. Et après, je me suis arrêtée. Je me suis dit, oh là là, ça va fermenter. Là, il devenait un tout petit peu mou. Et à le cuire, c'était extrêmement difficile. Donc, j'en conclue que vos légumineuses, celles qui sont grosses, vous gagnerez à ne pas les garder des mois, des mois, des mois sans surveiller. D'accord? Parce que vous allez avoir des problèmes de cuisine avec des longueurs de cuisson, hein, que vous n'aimerez pas. D'accord? C'est une problématique que vous n'aurez pas avec les petites légumineuses. D'accord? Donc, après les légumineuses, j'aimerais vous parler des oléagineux. Hein? Donc, j'ai apporté une boîte de graines et une boîte de kia, hein, le kia, le lin, le sésame. C'est des oléagineux. Hein, ce n'est pas des céréales, c'est des petites graines grasses. Celles qu'on aime beaucoup dans la cuisine actuelle, rajouter à la nourriture parce qu'elles apportent des bons gras. D'accord? Ce qui est appelé ainsi. OK? Les oléagineux sont très fragiles. Hein, on a parlé du gras qui rancit. D'accord? Donc, ça veut dire qu'effectivement, on va leur éviter la chaleur. Hein, je disais tout à l'heure que le soleil, l'été, qui tape une demi-journée sur le garde-manger, ben, on va essayer de faire en sorte que nos oléagineux soient à l'ombre. D'accord? Donc, on sait que quand ils sont plus anciens, on va les mettre devant. Alors, on ne veut pas les perdre de vue, surtout s'il me reste un petit reste de boîte, d'accord? Comment je vais faire ça? Je vais choisir soit un pot teinté, hein, on a certains produits qui sont vendus dans des pots teintés, d'accord? Ou alors, ce que je vais faire, je vais mettre du papier autour de mon pot, puis je vais simplement marquer dessus noir. Hein, comme ça va rester dans l'obscurité, puis je saurai ce que c'est, d'accord? Mais je ne les laisse sûrement pas à la chaleur ni au soleil. Okay? Alors, souvent dans les garde-manger, ce qu'on a, c'est une collection de condiments. Hein, c'est pour ça qu'on disait qu'un petit panier, c'est vraiment très sympathique. Ça rend les choses vraiment très rapides. Il y a quatre petites choses à savoir. Je n'ai pas apporté d'épices. Les épices, ça se garde une éternité, mais... Alors, ça se garde une éternité parce que du point de vue salubrité, c'est sec. Hein? Donc, ça ne risque pas grand-chose. Au point de vue goût, ça va beaucoup s'abîmer. Hein? Donc, les épices, contrairement aux autres produits que je n'hésite pas à acheter en grande quantité, je les achète en petite quantité, hein, de manière à ce que le goût ne s'abîme pas. Si je fais, c'est valable pour les herbes séchées. Si on a la chance d'avoir un jardin qu'on veut sécher nos propres herbes, soit on les congèle, soit on les met dans des petits pots. On ne fait pas le grand pot d'origan séché. On fait des petits pots, puis on visse bien, bien, bien. D'accord? Et on ne les entame pas tous ensemble. OK? Sinon, je voulais vous dire que tout ce qui est la sauce tomate, ce qui est ketchup, mayonnaise, vinaigrette, oui, mayonnaise maison, hein, avec des beaux petits produits chimiques, d'accord? Ce qui fait que vous gardez ça un an sans problème, pas ouvert, d'accord? Le vinaigre, hein, qui a un acide, alors lui, vous le gardez un bon 2 ans, hein, si c'est pas ouvert. Si c'est ouvert, toutes ces petites choses, ça va au réfrigérateur, d'accord? Donc, on a dit le vinaigre, ça se garde un bon 2 ans parce que c'est acide. La sauce soya qui est bourrée de sel, là, vous la gardez des années. D'accord? Donc, vous ne vous fiez pas nécessairement à la fameuse date de péremption.
D'accord? Vous vous fiez à la, à cette information et puis à votre, à vos sens. Hein? Si vous ouvrez quelque chose et puis qu'il y a une petite moisissure dessus, ben non, ça ne marche pas. Puis si, si le goût n'est pas chouette, ben vous ne le gardez pas non plus. D'accord? De toute façon, vous rappelez que ce fameux tri du garde-manger qu'on a fait en début d'émission, vous allez le faire une fois par an, hein, parce qu'il faudra le nettoyer une fois par an. Est-ce qui fait qu'une fois par an, ben, si vous l'avez oublié, vous allez le retrouver. Puis vous savez qu'un an après, c'est encore bon. Et supposément, ben, vous n'allez pas le perdre au fond du placard. Parce que supposément, tous vos petits condiments qui sont dans un petit panier, eh ben, vous allez mettre le panier devant. Et les nouveaux condiments, vous allez les mettre derrière. Hein, quand vous n'avez plus de mayonnaise devant, vous allez chercher la mayonnaise derrière. Donc ça fait que vous ne devriez pas... garder les condiments plus d'un an. D'accord? Ceci dit, il y en a qu'on n'utilise pas, pas souvent, donc ça se peut qu'on ait à les surveiller un petit peu plus. D'accord? Alors, on a parlé des produits salés, on va parler des produits sucrés. La confiture. La confiture, là, on va bien différencier la confiture industrielle avec des beaux petits additifs qui vont l'aider à se conserver plus longtemps de la confiture maison dont on parlera tout à l'heure. D'accord? Ça, là, un bon 2 ans à température ambiante, d'accord? Ça, vous voyez que sur ces produits, comme sur tous les produits industriels, là encore, une date de péremption est indiquée. Et ça, c'est valable pour tous les produits industrialisés, d'accord? Cette date de péremption correspond à la date au-delà de laquelle la texture, le goût, l'aspect peut être différent, mais pas la salubrité. Hein? Si le goût vous plaît toujours, que l'aspect est à vous, vous convient, pour votre santé, il n'y a aucun risque. D'accord? Donc, on relativise là encore les fameuses dates de péremption. Et puis, bien sûr, on utilise nos sens, hein, comme on vient de le dire. D'accord? Le miel, on le garde très longtemps. D'accord. Là, il y a un petit truc, je dis le miel, c'est du sirop d'érable, pour les produits sucrés. D'accord. Le miel, là, on le garde des fois, on peut le garder le garde-manger. C'est même mieux parce que quand vous le gardez au réfrigérateur, ça devient dur, c'est pas sympa de mettre la cuillère dedans. Quand même, moi, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Hein, le miel entamé qui reste au garde-manger, vous évitez de mettre la cuillère qui a eu des miettes de toast dessus. Hein, ou qu'il y a eu un petit peu de beurre, parce que ça va plus être de la confiture, ça va être de la confiture avec d'autres choses dedans. Et là, on va pouvoir le garder moins longtemps, ce fameux miel. Hein, donc, je mélange miel et confiture, mais c'est vraiment le miel, le pot de miel dans lequel on ne veut pas de traces de beurre et ou de miel, parce qu'on le garde dans le garde-manger. Ça, bon, on va quand même éviter d'avoir des traces de miettes et de beurre, mais on le garde ouvert une fois réfrigéré. D'accord? Tout ce qui est les sirops, hein, c'est du sucre, hein, donc un bon 2 ans, d'accord? Les beurres de noix, on peut les garder à température ambiante quand ils sont entamés. Il faut juste regarder certains. On vous demande de les garder au réfrigérateur. C'est notamment ceux qui sont bio, ceux qui sont un peu plus artisanaux. D'accord? Sinon, vous pouvez les garder dans le garde-manger. Un mois, je dirais. Un bon mois. D'accord? Là encore, on évite de mettre des miettes dessus. Voilà. D'accord? Les produits sucrés pour les gâteries, les tartines, etc., on en a parlé. Le sucre lui-même, ça reste bien 2 ans, 2 ans dans le garde-manger. Moi, j'évite de le garder comme ça, hein, parce que l'humidité peut rentrer dedans. Hein. Même chose, on va le mettre dans des pots fermés quand on achète une grande quantité qu'on en utilise moins. Je pense qu'on a tous expérimenté que la cassonade, c'est pas la même chose. À la cassonade, il y a de l'humidité dedans. Et quand vous avez laissé votre sac de cassonade ou même votre pot de cassonade, moi j'ai mis la cassonade dans des pots en me disant il y aura moins d'humidité que si je le laisse dans le sac. Malgré tout, ma cassonade, quand je peux aller chercher au fond, il faut que j'aille au couteau d'abord. Hein.
aérer un peu pour après, avec la cuillère, pouvoir en prendre. La cassonade, c'est humide. Hein, donc, elle, vous n'allez pas la garder 2 ans. D'accord? Moi, je dirais un an, là. Parce qu'après, ça risque de faire quand même un gros. Comment dire, quelque chose de compact qui ne va pas être agréable à utiliser. Ça reste bon pour la santé, mais ce n'est pas agréable à utiliser. On se rappelle, on veut que ce soit agréable d'utiliser nos produits pour avoir envie de le faire et puis avoir envie de cuisiner et donc ne pas gaspiller notre nourriture et faire des économies dans nos repas. D'accord? Le cacao, écoutez, ça se garde des années. D'accord. Donc, on a parlé des petits produits sucrés. On va parler des boissons. Hein, le café soluble hein, qu'on aime, qu'on aime utiliser au quotidien ou qui peut bien nous dépanner, ça se garde 2 mois. 2 ans, qu'est-ce que je dis? 2 ans, facile, c'est utilisé, il n'y a pas d'humidité. Là, bien important, vous le fermez très soigneusement après utilisation. Vous voyez souvent le café, il y a un petit opercule de plastique avec un revêtement, en fait c'est du papier avec du revêtement plastique dessous et de l'aluminium dessous. Un petit truc à savoir, surtout si comme moi vous achetez des gros, hein, donc avec un gros orifice, on est tenté d'enlever tout l'opercule, hein, le petit papier. Parce qu'on dit c'est plus facile pour mettre la cuillère, puis il est agaçant cet opercule qui rentre dedans chaque fois qu'on l'utilise. Il faut éviter de faire ça. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez l'opercule, ça fait rentrer de l'air à chaque fois dedans avec son cortège d'humidité. Si vous faites juste fendre un petit peu, puis vous relevez, ça va rester fermé parce que ça se garde très longtemps, mais son pire ennemi, c'est l'humidité. D'accord? Ça, là, si vous l'oubliez ou que vous n'avez pas le goût d'en utiliser pendant des années que vous le retrouvez, il sera quand même bon pour la santé. Le goût risque d'être moins chouette, puis c'est peut-être ça qui va vous donner envie de le jeter. D'accord? On a parlé du café, on va parler du thé. Le thé, je crois qu'on avait un petit pictogramme pour tes cafés, un petit pictogramme fancy avec un petit rond, puis on voyait du thé du café, juste pour faire un peu plus beau sur l'écran. Le thé. Alors, le thé, à savoir, il y a de l'huile hein, sur les feuilles. Donc, on se rappelle, l'huile, ça peut rancir, etc. Ce qui fait que les poches de thé, vous les utilisez dans un délai d'un an. Hein, parce que le fait que ça puisse rancir à cause du petit gras qui est sur les feuilles et les feuilles qui sont broyées dans vos sachets, ça, on se rappelle que ce phénomène de rancissement donne un goût vraiment pas chouette au produit et vous allez être surpris par le goût très changé de votre thé si vous l'avez oublié longtemps dans le garde-manger. D'accord? Là, je me rends compte que j'ai parlé du café soluble hein, qui se conserve très, très longtemps. Je voudrais parler du café en grains. Le café en grains, on aime l'acheter soit en grains, hein, puis on le moue nous-mêmes, soit moulu lui-même. On se rappelle, hein, quand c'est moulu, c'est plus petit, hein, donc plus de contact avec l'air, ça va se garder moins longtemps hein, que quand c'est en grain, plus gros, moins de contact avec l'air. D'accord? Ça se dit beaucoup, hein, on garde le café au réfrigérateur. Eh bien non, le café n'aime ni le froid, ni l'humidité. On va le garder au garde-manger. Ça va se garder quelques mois sans problème s'il n'a pas été ouvert. Alors attention, là je parle, vous savez, des cafés en grain ou des cafés moulus sous vide. Hein, vous achetez le paquet, puis c'est dur. Hein, vous ne sentez pas les grains, vous ne sentez pas la poudre, c'est vraiment sous vide. Ça, c'est optimal. Pas d'air, pas d'humidité, pas de lumière. Hein, c'est des paquets qui sont, comment dire, métallisés à l'intérieur. D'accord? Ça, vous gardez ça des mois. D'accord? Par contre, le café en grains que vous achetez. Vous savez, un petit sac brun, hein, ce beau petit café,
mais dans des sacs de papier. Ça, ce n'est pas imperméable à l'air ou à l'humidité. Vous allez consommer rapidement, hein, dans les 2 mois au maximum, d'accord? Si c'est de la poudre, vous allez le consommer dans le mois, ok? Et quand je dis dans le mois, si vous l'aimez parfumé, je dirais dans la quinzaine. Okay? Donc, on a parlé des boissons, thé, café. J'aimerais vous parler d'autres boissons pour lesquelles il y a des petites choses à savoir. L'eau en bouteille, hein, pas très écologique, mais on est nombreux à les utiliser. Hein, d'accord? Alors, l'eau en bouteille a une date de péremption. Hein. Vous allez me dire, bon, les industriels en mettent parce qu'ils en mettent partout. Oui, mais. L'eau elle-même, ça se garde bien parce que c'est traité, hein, c'est à l'abri des bactéries, etc., etc., purifié, filtré. Donc, ça se garde extrêmement longtemps, des années. Mais, alors des années, ça veut dire dans vos bouteilles en verre. Parce que moi, à la maison, j'aime bien avoir une réserve d'eau. Pourquoi? Parce que, franchement, une tempête de verglas, ou alors, je ne sais pas, simplement la tempête de neige, qui fait craindre les coupures d'électricité, toutes sortes de bêtises d'environnement qui peuvent arriver et qui, entre parenthèses, arrivent de plus en plus souvent. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on gère notre nourriture de façon écologique. Ces problèmes climatiques, ça fait qu'on veut des réserves d'eau. Hein. Nous, à la maison, par exemple, l'hiver, on prend deux cubicules d'eau, hein, qu'on met dans l'atelier. S'il n'y a une panne d'électricité, on a de quoi faire de la cuisine, laver des légumes, etc. Par contre, à la fin de l'hiver, quand on craint moins des problèmes d'approvisionnement d'eau, on garde présent à l'esprit d'utiliser cette eau. On ne va pas la garder pour l'année prochaine, on pourrait. Hein? L'eau ne bouge pas, mais on va l'utiliser. Pourquoi? À cause du contenant. Vous vous rappelez, je vous ai dit dans d'autres vidéos que les contenants plastiques, basiques, hein, pas ceux qui sont traités pour être utilisés au micro-ondes ou au congélateur, etc. Donc, le bête est méchant. Il a des produits, les fameux BPA, etc., etc., qui ont la très fâcheuse habitude de rentrer dans le liquide ou dans le solide qu'ils contiennent. Hein. Et l'eau, eh ben, c'est un bon exemple. Si vous gardez votre eau en bouteille des années, le BPA et les autres petites choses vraiment pas bonnes pour la santé, certains sont cancérogènes, évidemment, si vous en consommez beaucoup, mais quand même, cancérogènes, c'est pas drôle, ou d'autres sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent hypothéquer la croissance des enfants ou des adolescents. Donc, ces petites choses bien sympathiques vont migrer du plastique dans le liquide. Donc, vos bouteilles en plastique, vous les consommez. Hein, vous les gardez pas d'une année à l'autre, non, non, vous les consommez je sais pas, dans les 6 mois, ça dépend encore. L'hiver ou au frais, à l'ombre, vous pouvez les garder un an, je dirais. Hein. L'été, ben non. La chaleur, hein, aide beaucoup les fameux BPA et autres produits réjouissants à rentrer dans le liquide. Ça me fait penser à quelque chose. Hein. Des fois, quand on va en vacances, on laisse dans la voiture notre petite bouteille. Et quand on est allé se promener, on dit, ah, j'ai soif, et puis on boit de l'eau. Elle est chaude, ah, c'est pas bon, on a la soif, on boit, on va éviter ça. La chaleur fait beaucoup voyager les fameux petits produits chimiques qu'on ne veut pas, du plastique à la boisson. D'accord? Donc, tout ce qui est en plastique, on ne garde pas, on garde quelques mois maximum, mais on gère les bouteilles comme on gère les autres choses. Hein, les packs plus anciens, on met devant, puis le pack le plus récent après. D'accord? Ensuite, les jus de fruits en brique, hein, ça, oui, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, j'ai parlé de l'eau dans les bouteilles plastiques, en fait, tous les liquides dans les bouteilles plastiques. Ça peut être jus de fruits, jus de légumes. Je dirais, c'est même encore pire pour les jus de fruits et légumes acides. Ce qui est acide, ça va aider aussi les fameux produits qu'on ne veut pas à rentrer dans le liquide. D'accord? Là, les industriels ont développé une autre façon de conserver les jus, légumes, fruits, etc. Hein, c'est ces fameux contenants
qui ont à la fois une pellicule plastique imperméable qui laisse pas passer la lumière, et puis une pellicule comment dire, une pellicule métallisée à l'intérieur, hein, qui garde le produit vraiment à l'abri de tout ce qui est bactéries, tout ce qui est microbes, d'accord? Ce qui fait que ça, vous allez le garder 12 à 18 mois facilement, d'accord? Dans les liquides, certains connaissent peut-être le lait ultra haute température. C'est très populaire en Europe. On trouve moins ici. Ça, c'est monté extrême haute. Il est pasteurisé, ce lait. Ensuite, il est monté à extrême haute température. Il est refroidi. Et par un procédé industriel, il est versé dans ses contenants sans jamais être en contact avec l'air. Et puis, ça, c'est scellé. Entre le moment où le lait est à très haute température et le moment où il est là-dedans, aucun contact garanti avec l'air. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ça, vous pouvez le garder extrêmement longtemps dans votre garde-manger. Hein? Vous n'êtes pas obligé de le garder au réfrigérateur, contrairement du lait que vous achetez en banque réfrigérée. Ça, là, vous le gardez plusieurs mois, au moins 3 mois. Mais moi je dis 6 mois, pas de souci. Comment vous allez voir qu'il est peut-être à vérifier? Ben, s'il gonfle un petit peu, vous l'ouvrez, vous sentez, il peut gonfler un petit peu puis être quand même utilisable, d'accord? Vous sentez, vous goûtez une mini gorgée, s'il est chouette, s'il est correct, il est utilisable, d'accord? Ça c'est un bon dépannage, hein, vous savez, pour les familles en temps, en cas de tempête de neige, etc., hein, pour pas aller devoir aller chercher du lait frais régulièrement. Mais bon, même chose, hein, quand on veut en racheter, on met les plus anciens devant. D'accord? Hein, 3 à 6 mois. D'accord? Quand on parle du lait, il y a aussi le lait en poudre, hein, qu'on connaît, qu'on peut mélanger à de l'eau pour se dépanner en lait ou pour des pâtisseries, là encore. Ça, quand il est bien refermé hermétiquement, vous pouvez le conserver plus de 3 mois. Quand vous l'avez entamé, hein, vous le fermez hermétiquement, hein, vous ne le laissez pas dans le sac plastique, un bon 3 mois. Quand il n'a pas été ouvert, un bon 1 an. D'accord? Ne vous inquiétez pas, hein, je mets beaucoup de dates. Vous devez vous dire, oh boy, je vais jamais rater tout ça. On va mettre tout ça sur notre site. D'accord? Le lait concentré, hein, qu'on aime bien utiliser dans les boissons chaudes ou pour la cuisine, ça se garde une bonne année. Hein, par contre, parce que bah, c'est à l'abri de tout, d'accord? Quand vous le rouvrez, bah, vous le savez tous, hein, on le met au réfrigérateur. Ça me fait penser à quelque chose. Hein, je crois qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé au réfrigérateur. Quand vous ouvrez une boîte de conserve, quelle qu'elle soit, surtout si c'est un produit acide, comme la sauce tomate, ben en fait, je dirais quasiment tout, d'accord? Vous ne gardez pas les restants dans la boîte. On peut être tenté de faire ça, hein, d'autant plus que dans le commerce, on trouve des petits couvercles, hein, qui sont vendus exprès pour se mettre par-dessus les boîtes. On se dit, waouh! Comme ça, ben, je ne vais pas me fatiguer, j'ouvre la boîte. Je l'entame, je mets le couvercle au réfrigérateur. C'est vraiment pas une bonne idée. Vous avez sans doute remarqué que vos boîtes par exemple, de concentré de tomates, elles vont faire quelque chose de dur et de brun, hein, sur le haut de la canne ouverte. Ben, ça veut dire qu'il y a une altération qui se fait. Hein, puis l'altération, elle peut aller dedans. D'accord? Il y a une autre chose, c'est que au contact de l'air, le revêtement intérieur de la boîte de conserve peut aller se promener avec l'aliment. Hein, pour un peu que vous oubliez votre aliment au réfrigérateur, c'est pas bon pour la santé. Ceci dit, le réfrigérateur, c'est comme le garde-manger. Vous n'êtes pas supposé oublier les aliments dedans, hein, mais toujours avancer les plus anciens sur le devant. D'accord? Bon, je reviens à mes histoires de lait. Donc, fermé, ça se garde extrêmement longtemps, ouvert au réfrigérateur. D'accord? Plusieurs mois, plusieurs années. D'accord? Donc, quand on a parlé des produits céréaliers, on n'a pas parlé des céréales à petit déjeuner. Alors, les céréales à petit déjeuner,
ça se garde fermé. Hein. Vous avez tous vu, dedans, c'est un sac scellé, un sac qui est ciré. Hein, donc, ça les met à l'abri de l'humidité relativement. On a tous expérimenté, hein, quand on oublie la boîte de céréales, que ça devient tout mou, vraiment pas sympathique à manger. Donc, on va les garder fermés comme ça pour plus de 3 mois. D'accord. Ce qu'on fait, ça, on dit qu'on peut les garder jusqu'à 1 an. Du point de vue salubrité, c'est vrai. Je dirais qu'au-delà de 6 mois, ça va devenir mieux. D'accord. Tout ce qui est les céréales comme ça, vous les, une fois que c'est entamé, ne les gardez pas dans les sacs. Hein, d'une part, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne voyez pas où vous en êtes. D'autre part, ce n'est pas la condition optimale. Vous mettez ça dans des pots. Ah, ici, j'ai des petits pots, mais il y a des pots plus grands. D'accord. Comme les grains, selon leur forme et leur traitement industriel, se gardent des durées différentes, les céréales également, selon leur forme et leur traitement industriel, vont se garder plus ou moins longtemps. D'accord. Plus c'est industriel, finalement, plus vous allez garder longtemps, hein, parce qu'il y a des petits produits chimiques qui vont aider à la conservation. Plus c'est artisanal, et je dirais plus c'est pur, hein, genre des gruaux, hein, que vous-même vous allez utiliser pour faire vos céréales, moins ça se garde longtemps. Hein. Ça, je ne sais pas, 6-8 mois, ça je dirais un petit 3-6 mois, d'accord? Lorsque vos céréales sont à type de granola, c'est-à-dire qu'il y a des noix dedans, ben là, on en a parlé des noix, hein, ça rancit. Vous allez les garder moins longtemps, hein, jusqu'à 3 mois. Là encore, on ne va pas se dire 3 mois, 6 mois, 12 mois, je les refous. Non, non, hein, on se rappelle des grandes règles et puis on fait confiance à nos sens, d'accord? Alors, les céréales, on en a parlé. Tiens, on va parler des biscuits, hein, les fameux biscuits secs. Ça, là, c'est quand c'est bien industriel, donc avec des petits produits chimiques, des conservateurs finalement, hein, vous allez les garder très facilement jusqu'à 9 mois. D'accord. Ceci dit, ben, on va expérimenter aussi, hein, que au bout de, je sais pas, je dirais 6 mois, même des fois moins, ça devient mou, c'est beaucoup moins sympathique à manger. D'accord. Dès que c'est ouvert, vous conservez dans un contenant hermétique. Ça, là, vous me direz, c'est un peu difficile de les garder dans des pots. Ben, quand ils sont petits, hein, vous pouvez prendre des pots à biscuits de forme plus ronde, d'accord? Mais ce qui est vraiment sympa pour les biscuits, c'est les boîtes métalliques aussi. Hein? Ça, c'est à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité, à l'abri de l'air, d'accord? Ça, les métalliques, pour les biscuits, c'est vraiment sympa, d'accord? En fait, je dirais même quasiment pour tout ce qui est céréales. Mais pour ce qui est biscuit notamment. Donc, on a parlé des produits secs. Je résume vite. Plus c'est petit, plus c'est contact avec l'air, plus ça s'abîme. Plus il y a d'huile, plus ça peut rancir. Plus c'est industrialisé, plus ça se garde. Hein? Fameux conservateur, d'accord? Je crois que c'est les grandes règles. On se fie à nos sens. Je ne le répéterai jamais assez. D'accord? Là, je voudrais vous parler de quelque chose dont la gestion dans le garde-manger est vraiment importante. C'est les fameuses boîtes de conserve. Parce que les boîtes de conserve, c'est quand même un sauve-la-vie. Hein? C'est des réserves longue durée. Qui peuvent nous servir de dépannage, qui peuvent également, c'est vraiment la chose de fond. Hein. Si on se dit, ah ben, l'hiver peut y avoir des tempêtes, etc., je ne peux pas faire mon marché. Au Québec, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent handicaper le renouvellement de l'épicerie. Les boîtes de conserve, c'est ce que j'appelle un sauve-la-vie. Les boîtes de conserve, il faut vraiment en garder en faire une gestion rigoureuse, d'accord? D'une façon générale, ça se garde longtemps, je viens de le dire, 2 à 5 ans, facile.
il y a une chose qui peut les rendre à garder moins longtemps, c'est leur degré d'acidité. Hein, on a dit tout à l'heure, la boîte de tomates qu'on garde au réfrigérateur, on va voir, il y a du brun qui va se mettre et l'acidité va, comment dire, ça, je dirais pas que ça ronge le revêtement, mais disons que ça joue avec et ça va rendre la conservation moins longue. Il y a également, d'après ce que j'ai compris, mais je vous invite à vérifier, puis à nous faire savoir si vous avez la réponse. D'après ce que j'ai compris, le traitement de conservation des aliments acides est différent de celui des aliments basiques. Hein, les aliments acides se conservent, enfin, dans le procédé de conservation, c'est une température moins élevée que celle utilisée pour les aliments basiques. Et c'est peut-être l'élément qui fait que les cannes, les boîtes de conserve en bon français d'aliments acides vont se conserver moins longtemps que celles d'aliments basiques. D'accord? Ça se garde au-delà de la date très clairement, 2 à 5 ans. Pour les acides, on va plus tabler sur 2 ans, peut-être, d'accord? Alors, une chose dont je voulais vraiment vous parler, puis qui est absolument essentielle, il y a quand même des critères d'aspect des boîtes que vous allez surveiller, d'accord? 2 critères. Un que je dirais un peu moins dommageable potentiellement, c'est la boîte de conserve cabossée, hein? Boîte de conserve cabossée, des fois on dit, ah ben non, là je ne vais pas l'acheter, c'est moche, c'est vrai que c'est moche, mais bon, on ne mange pas avec les yeux, pas seulement avec les yeux. Là, ce qui est, si c'est un peu cabossé, hein, on doit le voir, je pense à la caméra, ben c'est pas très joli, mais il n'y a pas de souci, d'accord? Si c'est un peu plus cabossé, ça là, moi j'éviterais de l'acheter, d'accord? Ou si c'est moi qui l'ai fait tomber, je vais le composter. Pourquoi je vais composter ça, hein, alors que ça, ben, c'est juste un peu moche, d'accord? Pourquoi je vais composter ça? Ça, comme je l'expliquais tantôt, la boîte de conserve, c'est plusieurs revêtements, dont le revêtement interne, dont c'est, je dirais, c'est un revêtement extérieur, du métal ou de l'aluminium, et un revêtement intérieur. Le métal ou l'aluminium ne doit pas être en contact avec la nourriture, d'accord? À bonne dose, c'est toxique. Qu'est-ce qui se passe quand votre boîte est bien cabossée? À l'intérieur, ça peut avoir fendu le revêtement. Et pour un peu que vous gardiez votre boîte cabossée, bien cabossée plusieurs mois, eh ben, peut-être que votre métal et votre aluminium vont aller se promener dans la nourriture. Hein? Évidemment, une boîte, c'est parce qu'il va vous rendre malade. Mais si vous trouvez que c'est, comment dire, si vous avez fait de la récup, hein, de plusieurs boîtes cabossées et puis que vous souhaitez les garder longtemps, ce n'est pas une bonne idée. D'accord? Parce que manger jour après jour, semaine après semaine, le contenu de boîte cabossée, là, ça devient dommageable pour la santé. D'accord? Ça, je dirais que c'est la petite affaire avec les boîtes de conserve. On a la grosse affaire. La grosse affaire, c'est le botulisme. Le botulisme, c'est grave. D'accord? Là, je n'ai pas trouvé de modèle. Pourquoi? Parce que les magasins se débarrassent des boîtes bombées, parce que le botulisme, ça vient avec une bactérie. Hein, les procédés de conservation font en sorte qu'habituellement, il n'y a pas de cette fameuse bactérie. Ceci dit, ça peut arriver. Alors, donc, bien sûr, vous ne trouverez pas dans les magasins des boîtes bombées, vous ne trouverez pas dans les centres de dons des boîtes bombées. Tout le monde est extrêmement rigoureux là-dessus. Par contre, ce qui peut vous arriver, je dirais, c'est quand même exceptionnel, mais bon, j'attire l'attention là-dessus, c'est qu'une boîte de conserve que vous avez oubliée des années, eh bien, elle est bombée. Vous n'y touchez pas. D'accord? Le botulisme, c'est une maladie grave, parfois fatale. Donc, elle est due à une bactérie dont je vous épargne le nom, d'accord? C'est une bactérie qui, contrairement aux autres bactéries, peut se développer dans un milieu humide et sans oxygène. D'accord? Donc, dans les boîtes de conserve, okay? Ou dans les bouteilles.
qui ont été conservés dans des conditions inadéquates, hein, peut-être pas à l'abri de la lumière, peut-être pas à l'abri de la chaleur, etc. Okay? Les symptômes du botulisme, eh ben, c'est non seulement comme une gastro, hein, d'accord, mais également des vertiges, la fatigue, des troubles de la vision, etc. Et la situation peut s'aggraver, pas seulement chez les personnes fragiles, chez les personnes standards. Et là, on parle d'insuffisance respiratoire, d'insuffisance rénale, de paralysie, de décès. Hein? Vraiment du moche de moche, d'accord. Mais bien sûr, les populations les plus vulnérables, les femmes enceintes, les enfants, les aînés, les personnes qui ont un système immunitaire, ben, là, écoutez, ils sont aux premières loges de risquer ça. Donc, tout ce qui est bombé, on ne joue pas avec, d'autant plus que le botulisme n'altère ni le goût, ni l'odeur, ni l'aspect de l'aliment. Hein, donc, c'est uniquement à cause de la boîte de conserve que vous aurez l'information. Voilà. Pour les conserves industrielles, je pense qu'on a fait le tour. Les conserves industrielles, j'aurais bien aimé vous parler aussi. Ah, mais on va en parler après pour respecter l'ordre de passage des vidéos. Je viendrai sur deux petites conserves industrielles qui sont les conserves animales. Mais tout d'abord, on a parlé des conserves industrielles. J'aimerais vous parler des conserves maison. Moi, je trouve que c'est vraiment important de faire une petite information spécifique là-dessus. Pour plusieurs choses. Avec la COVID, on a été plus chez nous, on a fait plus de cuisine qu'on ne fait pas à l'habitude et on a essayé de faire plus de réserves pour certaines personnes. On s'est lancé dans les conserves maison. Les conserves maison sont moins sécuritaires que les conserves industrielles. Les conserves industrielles, du matériel spécifique, des additifs, des techniques opératoires spécifiques, qui font que habituellement, dans l'écrasante majorité des cas, sauf si, comme on l'a dit, elles ont un aspect qu'on ne veut pas, c'est sécuritaire longtemps, d'accord? Les conserves maison, c'est vraiment à surveiller. Alors, les conserves maison, je ne vais pas vous faire un cours sur la façon de les stériliser. On sait simplement qu'il y a deux façons de les stériliser, soit à l'eau bouillante simplement, dans un chaudron, soit sous une marmite spéciale, hein, sous pression. La seule chose, c'est que c'est selon que les aliments soient acides ou pas. Hein, on a dit tout à l'heure, aliments acides avec un procédé avec moins de chaleur. Hein, donc, ça se garde moins longtemps. Basique avec un procédé plus de chaleur. Aliments acides, conserve maison, on va le faire à l'autoclave, hein, à la marmite sous pression. Et puis, quelque chose conserve de légumes, de haricots verts, on va le faire au chaudron, d'accord? Ça veut dire que certaines vont se garder plus longtemps. Donc. Mais je dirais que de toute façon, donc, il faut respecter des règles de fabrication de vos conserves maison. Vous ne vous improvisez pas pour faire des conserves maison. Elles peuvent garder plusieurs semaines, voire quelques mois, un aspect très chouette et tout à fait impropre à la consommation. C'est plate, hein? On ouvre, c'est pas bon, ça sent mauvais, il y a des petites... l'aspect est moche et puis vous jetez, vous avez travaillé fort, vous avez utilisé de l'énergie, l'électricité, etc. Ça va à la poubelle. On ne s'improvise pas cuisiner en conserve. Hein? On étudie la question. Et on respecte à la lettre les règles de conservation des aliments. Bon, mais là, on ne parle pas de conservation à faire. On parle de conservation à garder, d'accord? Les conserves maison, vous les consommez dans les 12 mois, pas plus que ça, d'accord? Elles ne vont pas nécessairement s'abîmer du point de vue sanitaire après 12 mois, mais au niveau du goût, ça va vraiment s'altérer. Et puis même au niveau de l'aspect, je dirais, quand c'est vert, ça devient un peu brun, c'est moins chouette à mettre dans l'assiette. Donc, les règles, c'est valable pour les produits purs, hein, les fruits eux-mêmes, les légumes eux-mêmes, ou même les mélanges. Hein, quand on conserve une ratatouille, une macédoine de légumes, etc., les règles sont les mêmes. Vous allez garder vos bocaux à l'abri de la lumière.
Hein, on a dit que la lumière, c'est dommageable. Hein, humidité, chaleur, lumière, c'est dommageable. Soit vous avez des bocaux teintés, on en trouve parfois. Soit, même chose, vous allez mettre, hein, vous avez un bocal teinté ici. Soit vous allez mettre pas seulement une belle petite étiquette, hein, vous allez mettre du papier brun. Hein, on s'en moque d'utiliser du papier brun autour des bocaux. Hein, on ne veut pas avec les fruits et légumes parce que ça va les faire mûrir, mais votre papier brun. Vous mettez un beau cercle autour, vous écrivez le nom du produit et la date à laquelle vous avez fait la conserve. Essentiel, hein, la date à laquelle vous avez mis la conserve, d'accord? C'est à l'abri de la lumière. Vous les rangez, hein, je sais pas, juin 2022, conseil que je vais faire, juillet 2022, d'accord? Je vais passer tout ce 2022 dans les 6 mois maximum, d'accord? Ensuite, donc, ah, il y a une petite chose aussi dont j'aimerais parler concernant les conserves maison. C'est très sympathique de faire ou de recevoir des petites conserves maison pour Noël, etc. Vous savez, les petits paniers cadeaux qu'on fait en maison, une petite confiture maison, une petite sauce à pâte maison, je ne sais pas, une tartine maison, etc. Ça, là, ce n'est pas nécessairement des produits qu'on va manger à tous les jours, hein, parce qu'à tous les jours, on achète notre beurre de noix, on achète notre petite sauce de salade ou on la fait nous-mêmes, etc. Pour ces petites choses qui sortent un peu de l'ordinaire, on les garde. Puis on se dit que, un petit repas spécial ou une petite période de vacances, on va les manger. Le temps passe, on les oublie. D'accord? Tout ce qui est fait maison, vous êtes extrêmement, comment dire, rigoureux là-dessus. D'autant plus que si vous connaissez vos règles de fabrication de vos propres conserves, vous ne connaissez pas nécessairement les règles de fabrication de la charmante dame qui vous les a offertes. Et peut-être que ça n'a pas été fait avec autant de précautions. Alors moi, je dirais deux choses. Si vous avez la place dans le réfrigérateur, vous allez les mettre au réfrigérateur, ça a peut-être abîmé certaines choses. Hein, je sais pas, des produits sucrés qui pourraient devenir durs. Mais sinon, ce que vous faites, vous faites un petit panier sur le devant de votre garde-manger pour les avoir toujours aux yeux. Hein. Comme moi, par exemple, si c'est des tout petits pots vous savez, les petits pots de miel ou les choses comme ça, je le mets dans mon sac à tout ce qui traîne. Hein. Comme ça, je les ai sous les yeux et puis une petite fin de semaine, on va utiliser ça. Hein. Tout ce qui est, donc, je conclue là-dessus, mais c'est vraiment essentiel. Les petites confitures maison hein, qu'on reçoit en cadeau, on n'y gère pas comme les produits dont on utilise régulièrement. D'accord? C'est valable d'ailleurs pour tout ce qui est les petits cadeaux hein, faits par l'entourage, les petits biscuits. Hein, souvent, c'est vraiment très bon au goût et puis c'est vraiment un geste agréable à recevoir hein, de la part de la personne. On ne gère pas ça comme les biscuits qu'on achète et qu'on consomme régulièrement. On gère ça comme des petits spéciaux, des petites gourmandises qu'on se garde et on garde ça à portée de main. On consomme ça rapidement. D'accord? Pour les conserves, je pense que j'ai presque fait le tour. Ah, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, je vois ça, hein. Je voulais vous en parler pour les conserves. Ça, c'est des cornichons. C'est des aliments fermentés. Autre chose qui est vraiment populaire hein, de nos jours et qu'on a fait plus qu'on faisait, beaucoup plus qu'on faisait en temps normal, donc on l'a fait pendant la COVID, c'est les aliments fermentés. Hein, aliments fermentés conservés dans de la saumure, hein, soit du sel, et puis le liquide du produit va sortir et va composer le liquide du pot. En tout cas, il y a différentes recettes, d'accord? Ce qu'on appelle la lactofermentation, hein, c'est-à-dire que le produit avec le sel va fabriquer des ferments lactiques, ça détruit toutes les bactéries des ferments lactiques, d'accord? Ça veut dire que vous pouvez conserver vos lactofermentations plusieurs années. Alors, ça, théoriquement, c'est la lactofermentation, la possibilité de conservation la plus longue qui existe.
Mais de la même manière qu'on doit étudier soigneusement les procédés de conservation lorsqu'on veut faire des conservations maison, qu'on va les expérimenter, on ne peut pas faire des kilos de conservation la première fois, on expérimente sur des petites quantités, la lactofermentation, on s'informe. Il existe de nombreux sites qui vendent, qui d'abord vous informent sur les techniques de lactofermentation et qui, bon, effectivement, vous vendent le matériel qui peut vous aider à faire vos lactofermentations. Les pots du commerce fonctionnent très, très bien. L'essentiel, c'est de maîtriser les techniques de lactofermentation. Hein, parce que, évidemment, vous allez voir sur la plupart des sites faciles. Oui, mais il faut vraiment connaître la technique. D'accord? Donc, les conserves de vitre, on en a parlé. Par contre, c'est ça, je voulais revenir lorsque j'ai parlé des conserves en boîte de métal. J'ai parlé des conserves de végétaux, hein, légumes, sauces, etc. J'aurais vous parler des conserves de viande et de poisson, d'accord? Ça, c'est chouette aussi, hein, parce que poisson frais, viande fraîche, d'abord, il y a des moments. Hein, on l'expérimente maintenant, hein, au début du printemps 2022, avec l'effet de tout ce qui arrive en matière d'environnement, en matière de conflit, etc. L'approvisionnement des pays qui, comme le nôtre, le Canada, ont la chance d'avoir l'opulence, ben, des fois, ça devient un petit peu irrégulier, d'accord? Ce qui fait que dans l'épicerie, ben, des fois, on voit le prix des viandes qui fait qu'on n'a pas envie de les acheter, ou le prix du poisson qui n'a pas envie de les acheter. Hein? Alors, on peut se dire, ben non, moi, cette semaine, le poisson, je ne l'achète pas. Mais je sais que le poisson, c'est bon pour la santé. Puis, ben, nous, on aime bien le poisson à la maison, d'accord? Ce qui fait qu'avoir des petites réserves de poisson, ça peut aider, hein, sur des salades, sur des pâtes, etc. C'est très sympa, d'accord? La viande, ben là, je vais faire un aparté parce que on peut dire la même chose. On peut dire, ben, la viande est vraiment très chère, mais j'aime bien la viande, je vais acheter de la viande en boîte. Je vais utiliser de la viande en boîte. Bon, là, même si je ne fais pas une émission sur la santé, je voudrais juste faire un aparté. La viande, ça, c'est pas 100% de la viande. Mais non. Hein? Toutes les personnes qui l'ont ouvert voient que même si c'est parqué, ben, flocons, vous n'allez pas vous attendre à des flocons. Vous n'allez pas. Il ne faut pas vous attendre à des flocons comme les flocons de thon. Non, vous allez avoir une sorte de pâte, comme du pâté. Ça, les gens aiment bien ça, ben justement, dans les sandwichs, sur des rôtis, c'est du pâté. Hein? Ça veut dire que c'est de la viande, mais vous avez également de l'eau, de la fécule, ou de la fécule de pommes de terre souvent, du sucre, des conservateurs, d'accord? C'est plus, ça peut être, je ne sais pas, une gâterie, un dépannage de sandwich, etc. Mais là n'est pas la question, d'accord? Puisqu'on va parler de la conservation de ces produits, ça se garde très longtemps, notamment à cause du sel, hein, qui fait que ça aide à conserver ça des 2 à 5 ans. Bah oui, c'est ça. Il y a... D'autant plus que c'est, comment dire, le procédé industriel fait que c'est notamment à très haute température et fermé dans des boîtes de tels matériaux et tellement scellé que rien rentre dedans. Hein, ça, c'est du dépannage 2 à 5 ans, on va dire quoi, après la date d'opération. Ah oui, là, c'est au risque sanitaire, on n'en court pas. Il y a même une petite chose à savoir, c'est que ce qui est gras va se conserver plus longtemps. Vous allez me dire, non, mais elle ne sait pas ce qu'elle raconte, parce que tantôt, elle disait, si c'est gras, ça peut rancir et ça s'altère. Ben oui, quand c'est pas fermé hermétiquement. Ça, là, le gras, ça va faire comme une pellicule autour qui va faire que vous allez le garder très, très longtemps. Hein, les poissons gras, le gras de canard, le fameux confit, vous gardez ça des années sans problème. D'accord? Bien sûr, vous allez de toute façon vous fier à vos sens comme vous le faites pour tout. D'accord? Donc là, j'ai bien conscience du fait que je vous ai bombardé d'informations, je vous ai bombardé de durée de conservation.
D'une part, vous allez retrouver l'information sur notre site. On va mettre les petites notes correspondant à l'atelier d'aujourd'hui. Vous pourrez regarder ça tranquillement. D'autre part, je vais vous faire une suggestion. Il existe sur la toile beaucoup de ressources, hein, de dates de péremption, notamment pour le Québec, les sites de la MAPAC, hein, qui sont très bien faits avec les durées de conservation de chaque aliment. Bien sûr, par contre, la MAPAC va vous parler des durées de conservation selon les dates de péremption. Si on veut parler des durées de conservation au-delà des dates de péremption, c'est-à-dire du point de vue sanitaire, même si le goût, l'odeur peut s'altérer, etc., vous pouvez vous promener sur d'autres sites également de la toile. Juste, j'en cite un que j'ai utilisé et qui offre un grand éventail de produits très, très larges pour lesquels il vous donne les dates les plus longues auxquelles vous pouvez utiliser les produits. C'est Expirata, comme expirer, expirata.fr. Là, vous allez vraiment avoir des pages et des pages d'informations. Alors, évidemment, vous n'allez pas avoir une bible dans le garde-manger. Hein. On se rappelle, il faut que ce soit facile, rapide à utiliser, il faut que ce soit sympa. Hein, on n'a pas envie de partir faire des études chaque fois qu'on fait la cuisine. Ben, moi, je dirais, vous vous mettez soit ces petites feuilles blanches, hein, sur lesquelles on écrit avec des feutres, puis on efface. Soit vous vous faites un tableau, soit vous mettez une ardoise, peu importe. Puis vous vous mettez un petit pense-bête et des dates de péremption. Et puis des principaux produits céréales, date de péremption, légumineuses, date de péremption, tout ce qui est sauce, hop, date de péremption. Ah, vous faites des petites cases. Donc le temps que vous mémorisiez, ça va vous aider. Puis surtout, vous faites tourner. Hein, tout ce qui est plus ancien, ça vient devant et je remplis toujours à l'arrière. Donc, j'espère que cet atelier vous aura intéressé. Je rappelle que donc, le lien entre la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'entretien, l'organisation du garde-manger, c'est parce que pour ne pas gaspiller les aliments, il faut avoir envie de les cuisiner. Il faut que ce soit rapide, facile et puis sympathique. D'accord? Donc, bien organiser un garde-manger, ça passe par là. Et bien sûr, on ne veut pas gaspiller la nourriture. Donc, on ne va pas l'oublier dans un coin, on va l'utiliser. Bon, j'espère que vous avez trouvé de l'intérêt. Je vous salue et puis bonne cuisine, anti-gaspillage. Au revoir.